Comment aider mon enfant à prononcer le son ch correctement? C'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour Patricia Marie-Angélique, je suis accompagnante parentale et je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne des parents qui font de leur mieux. Pour soutenir cette belle communauté, pour me soutenir, likez, partagez, commentez, mettez un pouce à cette vidéo, abonnez-vous. Je vous dis déjà un grand merci pour cela. Vous pouvez également télécharger l'e-book que j'ai écrit pour vous pour commencer à transformer votre parentalité et nous pouvons continuer le chemin ensemble. Par un accompagnement individuel, personnalisé, en visio, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Comment aider mon enfant à prononcer le son ch correctement? Je suis tombée par hasard la semaine dernière sur les fiches que j'avais faites à l'époque pour aider mon enfant à prononcer correctement le son ch. Je vous remets ici le lien de la vidéo « Mon enfant ne parle toujours pas à 3 ans » que j'avais fait justement en parlant de mon fils. Et c'est vrai que malgré tout ce que l'on avait mis en place, il avait ensuite un retard de langage qui a duré pas mal de temps. Et du coup, le son « ch » était un phonème justement qu'il avait du mal à acquérir. Et je le faisais travailler avec cet exercice qui est un exercice d'orthophonie et que je voulais vous partager. Il faut déjà vous dire que le son ch, c'est un phonème qui est compliqué à acquérir et en général, les enfants l'acquièrent aux alentours de 5 ans. Donc avant 5 ans, ce n'est pas la peine de s'inquiéter si c'est ce phonème-là et qui n'est pas encore acquis. Après, si jamais ça perdure, vous pouvez très bien aller voir une orthophoniste pour qu'elle puisse justement faire un bilan avec votre enfant. En attendant d'avoir un bilan auprès de l'orthophoniste ou si vous voulez aider en premier lieu votre enfant par vous-même, je vous dis ce que j'avais mis en place pour mon fils. Donc j'avais écrit sur des petits cartons comme ça toutes les voyelles, donc A, E, I, O, U, et puis les sons. Les sons, alors je vous les redis, les sons OU, EN, UN, ON et WA, avec le son CH derrière. Donc je vous le montre. Et à ce son, on va associer un geste, donc vraiment le son ch du chute, du silence. Quand on veut par exemple écouter les oiseaux, vous pouvez très bien raconter à votre enfant, on va apprendre à faire bien le son ch. Comme cela, c'est vraiment le chute quand on a envie d'écouter les oiseaux, avoir du calme, quelque chose d'apaisant, de relaxant. Donc vraiment, apprenez à votre enfant à faire correctement le son ch en disant chute. Donc c'est vraiment mettre l'index en avançant les lèvres vers l'avant, serrez bien les dents et puis ça fait ch. Donc déjà, dans un premier temps, apprendre à votre enfant à faire chute correctement pour écouter les petits oiseaux, c'est c'est la première étape de cet exercice d'orthophonie. Une fois que votre enfant et puis avec vous s'est amusé à faire le ch, vous pouvez même faire un petit peu le petit train ch. Faites des jeux comme ça avec votre enfant pour qu'il prenne plaisir à apprendre. Plus nos enfants s'amusent en apprenant et plus l'apprentissage est facile et rapide. Et puis, en premier temps, votre enfant va prononcer le son ch à la fin de la voyelle. Donc, ça va être h. Donc, à chaque fois qu'il y aura le son ch, vous mettez vous aussi votre doigt sur votre bouche en avançant bien, en serrant les dents, en avançant les lèvres et en mettant l'index h. Pareil, et ensuite vous les faites défiler. Donc pareil pour les autres voyelles. I. O. U. O. Anche.
Wash. Et je suis revenue au début. Donc première étape, vraiment faire prononcer votre enfant avec le ch à la fin en assimilant vraiment le geste avec le phonème ch. Une fois que votre enfant a bien assimilé et arrive à prononcer le son ch à la fin du mot, vous allez mettre les mêmes sons et les mêmes voyelles en mettant le ch au début du mot. Donc ça va être, si je le reprends dans l'ordre, donc là, ça va être toujours en mettant aussi le geste avec le ch. Donc ça va être chat. Et au fur et à mesure, après, vous les faites en une seule fois. Au lieu de faire sh, i, ça va être sh, si. Pour le chaud, pareil. Sh, excusez-moi. Sh, oh, chaud. Et vous continuez comme cela, toutes les voyelles avec les sons. Ch, u, chu. Et on arrive au son. Ch, ou, chou. Ch, wa, choua. Ch, on. Un chien. Et le dernier, en chant. Souvent, nos enfants prononcent son ch soit par un S ou par un T. Et du coup, en faisant cela, vous allez vraiment pouvoir apprendre facilement votre enfant à prononcer le son ch, par exemple, de cheval. Si votre enfant, après, se trompe, comme il aura ancré le geste avec le phonème, si par exemple votre enfant dit cheval, vous allez lui dire cheval. Cheval, cheval, cheval. Et au fur et à mesure, à toutes les fois où votre enfant se trompe et qu'il prononce mal, soit par un te, soit par un se, si par exemple il va dire tossure ou saussure, ça va être chaussure, chaussure. Par exemple, pour chapeau, si vous voulez, il dit tapeau ou sapeau, chapeau. Chapeau, etc., etc. Vous mettez à chaque fois le geste avec le son ch pour que votre enfant vraiment, ça va vraiment l'aider à assimiler le geste avec le phonème, le son ch. Il va vraiment assimiler le fait de prononcer à tel moment le son ch. Et ça va vraiment l'ancrer que par exemple dans cheval, le son ch il est au début parce que à force de prononcer le cheval, les enfants pensent que c'est réellement un se. Avec ça, son cerveau va vraiment assimiler, même lorsqu'il prononce mal, qu'il prononce encore pour l'instant cheval, dans son cerveau, il voit le che. Donc cheval, etc., etc. Vous allez voir, c'est vraiment un super exercice pour mon enfant. Ça a très, très bien marché. Et il a pu, grâce à ça, en s'amusant, ensuite, après, moi, je lui prenais les cartes. Et puis après, vous pouvez en faire des jeux. Par exemple, je lui prenais cette carte-là, c'était chant, et du coup, je lui disais, ben, quel mot est-ce que tu pourrais inventer avec ça? Alors, je sais pas, là, on pourrait mettre chanter, et puis après, on faisait chanter, chanter, et puis après, on chantait, etc., etc. On en prenait un autre, si je vous prends, par exemple, celui-là, voilà, c'est chon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir avec chon, ronchon, par exemple. Et ben là, c'est ronchon. Et puis après, on fait bon, je ronchonne. Et puis, etc., etc. Inventez des jeux après avec ces cartes-là. Jouez vraiment avec votre enfant. Vous allez voir qu'il va beaucoup plus facilement assimiler les sons. En tout cas, pour moi, ça a très, très bien marché avec mon enfant.
Je vous souhaite de bons amusements avec votre enfant parce que les retards de langage, les sons qui sont mal prononcés, ça peut durer longtemps et ça peut être difficile. Donc surtout, amusez-vous, prenez plaisir à faire travailler ces sons avec votre enfant. Et puis si vraiment cela persiste, allez voir une orthophoniste pour qu'elle puisse faire un bilan. Et puis comme ça, vous en saurez un peu plus sur où en est votre enfant et puis d'où ça peut provenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.